dans ce printemps. Aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine. Je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur. Dans les nids, les petits, c'est faisant tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youpla là, c'est joli puis c'est pas cher. Je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'est le butine. Les abeilles dansent, je me prépare mes tartines. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps, qui vient juste après l'hiver. Le voilà, le voilà, c'est joli, puis c'est trop cher. Je suis content, c'est le printemps, c'est pour moi qu'est le butine. Les abeilles dans le soleil, je me prépare mes tartines. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps, je compte les rossignols. Mais je suis gâté, c'est congé, je n'irai pas à l'école. Je suis content, c'est le printemps, poussent les petits bourgeons. Dans les prés, sur mon nez, poussent les petits coutons. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, dans les temps, y'a de nouveau des grenouilles. Elles s'enlacent, elles s'embrassent, y'en a même qui se tripatouillent. Je suis content, c'est le printemps, j'aurai bientôt une petite sœur. C'est maman, en chantant, qui me l'a dit tout à l'heure. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver. Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. Il n'y a pas beaucoup de place, alors on pousse tout dans un coin. Ça manque un petit peu d'espace, oui mais c'est mieux que rien. Quand on danse le tango, le tango, quand on danse le tango, on n'est pas des manchots. Quand on danse le tango, le tango, le tango. Quand on danse le tango, on n'est pas des manchots. Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. On met les chaises sur la table et la table dans le salon. La cuisine c'est formidable pour faire les cornichons. Quand on danse la samba, la samba, la samba. Quand on danse la samba, on n'a pas les pieds plats. Quand on danse la samba, la samba, la samba. Quand on danse la samba, on n'a pas les pieds plats. Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. On va planquer dans les toilettes tout ce qu'on a de plus précieux, les verres et puis les assiettes, le cristal et les œufs. Quand on danse le boogie, le boogie, le boogie. Quand on danse le boogie, on est très applaudi. Quand on danse le boogie, le boogie, le boogie. Quand on danse le boogie, on est très applaudi. Lorsque j'invite ma cousine à la maison le mercredi, on danse dans la cuisine pour se mettre en appétit. Mais quand on doit remettre en place toute la cuisine comme avant, c'est là qu'on fait la grimace, c'est beaucoup moins marrant. Dans la danse du ballet, du ballet, du ballet. Dans la danse du ballet, on est les plus mauvais. Dans la
danse du ballet, dans la danse du ballet, on est les plus mauvais. Tout en haut d'un poteau, un oiseau m'a fait la nique. Tout en haut d'un poteau, un oiseau m'a fait la nique. Il m'a lâché dessus un drôle de tiju. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Je me mets gros benet à frotter la drôle de tache. Je me mets gros benet à frotter la drôle de tache. La changer d'endroit, j'en ai plein les doigts. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Quelle folie, je m'essuie sur le banc de ma liquette. Quelle folie, je m'essuie sur le banc de ma liquette. Là que c'est pire qu'avant, j'en ai plein devant. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Je vais gratter tout léger avec le coin de mon ongle. Je vais gratter tout léger avec le coin de mon ongle. Je pensais pas du tout que ça ferait un gros trou. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Mes parents en rentrant, je sais pas si ça les fera rire. Mes parents en rentrant, je sais pas si ça les fera rire. Ils ont pas rigolé, j'ai pris deux fessées. Je m'y attendais pas, mon vieux, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. À la maison, j'ai deux chats. J'ai un chat noir et blanc et un tricolore. Le problème, c'est que la nuit, je ne les reconnais pas. Pourquoi ? Parce que la nuit, tous les chats sont gris. Eh oui. La nuit, tous les chats sont gris. Tous les chats, c'est la nuit qu'ils ont choisi pour aller au paradis. Sur les toits, pour aller au paradis. Ils passent terre, passent au fond des impasses. Petite ombre fugace qui se déplace. Et sous la lune basse le long des terrasses. Que pensez-vous qu'ils fassent? Eh bien ils rêvassent. La nuit, tous les chats sont gris. Tous les chats, c'est la nuit qu'ils ont choisi pour aller au paradis. Sur les toits, pour aller au paradis. Là qu'ils changent de couleur en une demi-heure sous l'œil admirateur du créateur. Même les ramoneurs disent tous en cœur en voyant les miauleurs que ça porte bonheur. La nuit, tous les chats sont gris. Tous les chats, c'est la nuit qu'ils ont choisi pour aller au paradis. Sur les toits, pour aller au paradis. Que vont-ils y faire le long des gouttières? Ça n'est pas un mystère. Ils prendront l'air, assis sur leur derrière. Ils donnent un concert et miaulent du Schubert, même en plein hiver. Miaou, 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 miaou. Tache à lisser, du poil à gratter. La nuit les chats, c'est vrai, s'ennuient jamais. Y a tant à s'occuper le long des cheminées. Rien que de les compter, ça prend toute l'année. La nuit, tous les chats sont gris. Tous les chats, c'est la nuit qu'ils ont choisi pour aller au paradis. Sur les toits, pour aller au paradis. Ça va ? Oui !
Vraiment bien ? Oui ! Si vous entendez pas, il faut changer de métier. Alors, miaou, miaou, miaou. Bon, monsieur, excusez-moi, on n'entend pas ce que vous dites. Vous prenez un micro, voilà, allez-y. Ça fait une heure que les gens hurlent. Si vous n'entendez pas, il faut changer de métier, monsieur. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous d'abord ? Je m'appelle Merlu. Oui, et alors ? Et alors, j'habite à côté. Et alors ? Et alors, de ma chambre, j'entends tout ce qui se passe ici. Je peux pas dormir, ça peut plus durer. Tu veux dormir à des heures pareilles, vous ? Je dors quand je veux, non mais sans blague. Écoutez, je sais pas ce que je peux faire pour vous, je suis navré. Eh ben, si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous arrêtez de chanter. Comme ça, je serai plus dérangé. Henri Dess, terminé. Voilà. Ah, oui, parfaitement. Henri Dess, terminé. Mais si vous croyez m'impressionner, alors là... Bon, écoutez, attendez. On va laisser ce monsieur s'exprimer, puis ensuite on dira ce qu'on a à lire. Allez-y, monsieur... Merlu. Oui, c'est ça, Merlu. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par le public... Parfaitement grossièrement. Et mal poli en plus. Que vous devez arrêter de chanter, monsieur. Oui, et le public alors? Le public, il a qu'à s'en aller, le public. Bon, écoutez, monsieur... Merlu. Ouais. Le public, il est venu pour voir ce spectacle, d'accord? Je m'en fous. Pardon? C'est leur problème, pas le mien. Mais comme je suis de bonne humeur aujourd'hui... Eh ben, ça se voit pas, hein. Pardon? Non, ouais. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous laisser chanter. Il va nous laisser chanter, dites donc, on va l'applaudir, c'est formidable, nous laisse chanter le Merlu, là. Attendez, je vais vous laisser chanter deux chansons, pas plus, deux, oui, parfaitement. Après, vous prenez vos clics et vos claques, et salut la compagnie, Henri Dess dehors. Parfaitement, Henri Dess dehors. Parce que quand Merlu dit, Merlu fait. Ouais, je connais ça. Merlu ne capitule. Jamais. Jamais. Car Merlu lutte. Merlu lutte. Merlu lutte. Oui, Merlu... lutte. Ah, Merlu, hein. Compris, deux chansons, deux. Allez-y. Compris, deux chansons. Moi, je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak, pour quand il fait pas beau. Moi je sais parler toutes les langues, toutes les langues. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie. Les spaghettis me mettent en appétit. C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie. C'est le yaourt, mon dessert de midi. Moi je sais parler. Moi je sais parler. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'achète au kiosque, mot qui nous vient de Turquie. J'achète au kiosque mes journaux favoris. Sans un copec, mot qui nous vient de Russie. Sans un copec, je peux pas faire des folies. Moi je sais parler. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. C'est sur un yacht, mot qui vient du hollandais. C'est sur un yacht que je passe le mois de juillet. Grâce au judo, mot qui nous vient du Japon. Grâce au judo, je ne suis plus un poltron. Moi je sais parler. Moi je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. Par cette chanson, mot qui nous vient du français. Par cette chanson, je peux dire désormais, je suis polyglotte, mot qui vient du grec ancien. Je suis polyglotte et j'ai pas tes copains. Moi je sais parler. C'est enfantin, ça va changer ma vie. Hey, moi j'ai parlé. Moi j'ai parlé les langues du monde entier. J'en savais bien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
Merlot mange des spaghettis. Merlot est polyglotte. Qui donc me l'a chippé, ma jolie paire de chaussettes? Qui donc me l'a chippé, presque sous mon nez? C'est peut-être un courant d'air, tralalère, tralalère. C'est peut-être un courant d'air, lalère, lala. Ou la reine d'Angleterre, tralalère. Ou la reine d'Angleterre, lalère, lala. Qui donc me l'a caché, mon paquet de cigarettes? Qui donc me l'a caché sous les escaliers? C'est peut-être un courant d'air, tralalère. C'est peut-être un courant d'air, lalère, lala. Ou bien le roi Dagobert. Ou bien le roi Dagobert, lalère, lala. Qui donc a dessiné sur mon permis de conduire? Qui donc a dessiné trois petits Mickey? C'est peut-être un courant d'air. C'est peut-être un courant d'air, lalère, lala. Ou ton arrière-grand-mère. Ou ton arrière-grand-mère, lalère, lala. Qui donc me l'a versé, le café qui était dans ma tasse? Qui donc me l'a versé dans mon encrier? C'est peut-être un courant d'air. C'est peut-être un courant d'air, lalère, lala. Ou un tremblement de terre. Ou un tremblement de terre, lalère, lala. Qui donc me l'a jeté, la verge du père Fouettard? Qui donc me l'a jeté dans la cheminée? C'est peut-être un courant d'air. C'est peut-être un courant d'air, lalère, lala. Ou alors c'est un mystère. Ou alors c'est un mystère, lalère, lala. Le téléphone, c'est formidable le téléphone. C'est une invention extraordinaire, moi j'adore ça. Je téléphone tout le temps, je téléphone chez moi, dans la voiture, dans le train. L'autre jour j'ai passé ma journée entière à téléphoner à un tas de gens. Le soir, je vais me coucher, j'étais fatigué. Le lendemain matin, je me réveille. Je m'étire. Je baille. J'éternue. Discrètement comme d'habitude. Et je me gratte. Je me gratte. Je me gratte. C'est là que j'ai compris que quelque chose de pas normal m'arrivait. J'essaie encore pour voir. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Le numéro... Bizarre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai compris. Je téléphone tellement toute la journée qu'à force, je suis moi-même devenu téléphone. C'est terrible. Minute. Voyons toujours le bon côté des choses. Si je suis moi-même devenu téléphone. Hein? Je peux téléphoner quand je veux, à qui je veux. J'essaye. Ça marche. Allô, Lulu? Comment vas-tu? Faut qu'on se revoie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut Michel, faut qu'on s'appelle. Je te donne mon numéro, promis, faut qu'on s'appelle. Aujourd'hui on a tous le téléphone qui sonne, quand il sonne pas, c'est triste un téléphone. On attend tous qu'il sonne, là qui sonne trop,
c'est un bon lit, là qui sonne plus aussi. Bonjour madame, ah non madame, ici on n'accepte pas les hippopotames. Bonjour monsieur, ah c'est fâcheux, je ne connais personne au nom de Barbe Bleue. Aujourd'hui on a tous le téléphone qui sonne, quand il sonne pas c'est triste, un téléphone, on attend tous, là qui sonne trop, c'est un bandit, là qui sonne plus aussi. Allô docteur, dans un quart d'heure, venez vite le poisson rouge mal au cœur. Allô police, quelle injustice, la maîtresse m'a mis un zéro pour un 10. Aujourd'hui on a tous le téléphone, quand il sonne pas c'est triste, un téléphone, on attend tous, là qui sonne trop, c'est un bandit, là qui sonne plus aussi. Et grand-maman, comment tu te sens? Je viens demain, c'est moi, dis-moi si tu m'entends. Et grand-papa, comment il va? Je passerai dimanche, on ira faire un tour au bois. Aujourd'hui, on a tous le téléphone qui sonne. Quand il sonne pas, c'est triste, un téléphone. On attend tous qui sonne. Là, qui sonne trop, c'est un bandit. Là, qui sonne plus aussi. Ah, téléphone. Non, je le prends. C'est bon. Allô? C'est Merlu. Merlu? C'est Merlu. Allô, Merlu? J'avais dit deux chansons, pas cinq. Deux. Il commence à m'énerver sérieusement celui-là. Dites donc, vous commencez à m'énerver un peu, monsieur Merlu. Vous avez de la chance. Il y a des amis à vous qui m'empêchent de revenir sur scène. Sinon... Mais vous et moi, on n'en a pas fini. On m'appelle le Teigneux. Merlu, le Teigneux. Le Teigneux. On l'appelle le Teigneux, dis donc. Ouais, ben laisse tomber, c'est facile à dire. Il va nous embêter pendant tout le spectacle, lui, franchement. Oh, le Teigneux. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux. Je me traîne ma flemme de la fenêtre au lit. Et puis je fais idem, la fenêtre au tapis. Mes affaires sont par terre, dans un désordre fou. J'ai décidé de rien faire, je m'en fous. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie. Demain ça ira mieux. Je cherche mes chaussures, j'ai fourré Dieu sait où. Y en a une, c'est sûr, qui dépasse en dessous. Je la vois, la coquine, qui rigole dans son coin. Car je tiens sa copine dans ma main. J'ai envie. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie, et pas bien, demain ça ira mieux. Je pousse ma savonnette sous l'eau du lavabo pour me faire une toilette, me frotter le museau. Ça me prend trois quarts d'heure et déjà l'air de rien. J'ai lavé sauf erreur, mais demain j'ai envie. Demain ça ira mieux, mais en attendant, j'ai envie. Je vais pas bien, demain ça ira mieux. Tout
tout le monde m'agace. Je sens bien que je suis grognon. Pour tout, je fais la grimace. Je ne fais rien de bon. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a des jours, c'est comme ça. Je le dis avec franchise. Ça va pas. J'ai envie. Mais va bien. Demain, ça ira mieux. Mais en attendant, j'ai envie. Je vais pas bien. Demain, ça ira mieux. C'est à l'école Tagalagada qu'on apprend des bêtises. Exactement. Le grand Dédé, poil poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil poil au dos, pour faire des grimaces. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école Tagalagada qu'on apprend des bêtises. Quand le Julien, poil poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada. C'est à l'école Tagalagada. Et la maîtresse, poil poil aux tresses, qui pousse des soupirs quand Marion, poil le menton, attrape le courrier. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada. C'est à l'école Tagalagada. Et puis à moi, poil poil au doigt, qui marche à quatre pattes, pour chatouiller poil au mollet, ma voisine de droite. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada. C'est à l'école Tagalagada. Y'a la Thérèse, poil à la chaise. C'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on le voit sa culotte. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada. Heureusement, poil poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil aux baskets, Paris c'est la sortie. Zoum, 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 zoum. C'est à l'école Tagalagada. C'est à l'école Tagalagada. Zoum, 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 zoum. Attendez, je venais pour dire bravo. Ah, voilà. L'orchestre, les lumières, tout ça, bravo. Et en plus, ils chantent bien. Oui, attendez, monsieur Merlu. Mais si, ils chantent bien. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Monsieur Merlu. C'est à l'école de Tagalagada qu'on apprend les bêtises. Monsieur Merlu. Oui, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très très bien. Tout à l'heure, vous étiez très fâché et vous avez crié. Moi? Si, vous avez crié. J'ai des témoins. Moi, j'ai crié. Bah oui, il a crié. C'est vrai. Mais enfin, vous m'avez réveillé. Et puis, il faut me comprendre, j'avais jamais vu un spectacle d'aussi près. Oh, c'est magnifique. De chez moi, c'est pas pareil. Ah bah évidemment, depuis chez vous, c'est pour pas... Oh, ça a été le choc pour Merlu. Alors, public, Merlu s'excuse pour tout à l'heure. Et pour se faire pardonner, Merlu vous offre ses services. Oula. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Merlu est là, 24 heures sur 24. Oula là. Parce que, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ah bah ouais. Et puis Merlu, il est pas bête. Ah bah non. Merlu, c'est une tête. Et pourquoi Merlu, c'est une tête? Et pourquoi c'est une tête, Merlu? Parce que Merlu lutte. Et non, parce que Merlu fut fut. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Bon, on préfère le voir comme ça, quand même. Hein. Je suis parti pour la ville, je suis parti ce matin. Faire les courses tranquilles, acheter presque rien.
juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain. Juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain. Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain. Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain. C'est surtout inutile et c'est pas bien malin. Surtout si le crocodile veut te manger la main. Surtout si le crocodile veut te manger la main. Paraît que c'est difficile de s'en faire un copain. Même s'il reste immobile, on n'est sûr de rien. Même s'il reste immobile, on n'est sûr de rien. On m'a dit qu'au Brésil, on en trouve tout plein. Oui, mais pas dans les villes, ni dans les salles de bain. Je suis revenu de la ville, je suis revenu ce matin. Il n'y avait pas de crocodile, j'ai choisi un requin. En plastique, paraît-il que ça ne risque rien. Que ça ne risque rien. J'ai souvent eu envie de faire comme le chat. J'ai souvent eu envie d'aller sur le sofa. De rester sans rien faire du matin jusqu'au soir. Oui mais y'a rien à faire, papa va pas vouloir. Dis-moi, dis-moi, dis-moi papa. Pourquoi je peux pas? J'ai souvent eu envie de faire comme le chien. J'ai souvent eu envie de faire presque rien. Juste lever la patte le long du trottoir. Même si je me gratte, papa va pas vouloir. Dis-moi, dis-moi papa. Pourquoi je peux pas? J'ai souvent eu envie de faire comme le canari. J'ai souvent eu envie de chanter sans souci. Qu'on me verse des graines dans un petit réservoir. Oui mais c'est pas la peine, papa va pas vouloir. Dis-moi, dis-moi papa. Pourquoi je peux pas? J'ai souvent eu envie de faire comme les moineaux. J'ai souvent eu envie de m'envoler plus haut. Par-dessus les églises, à les petits vénards. Mais tu veux que je te dise, papa va pas vouloir. Dis-moi, dis-moi papa, pourquoi? Pourquoi je peux pas, tout le monde? Dis-moi, dis-moi papa, pourquoi? Pourquoi je peux pas?
peut pas tout dire, on peut pas tout faire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire, on peut pas tout faire. Y'a des fois où on voudrait se laisser aller. Dis pas si, ne dis pas ça, c'est tu dis caca, c'est pas beau. Dis pas si, ne dis pas ça, c'est des vilaines manières. Fais pas si, ne fais pas ça, tes doigts dans ton nez, c'est pas beau. Fais pas si, ne fais pas ça, c'est des vilaines manières. On peut pas tout dire, on peut pas tout faire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire. Il y a des fois où on voudrait se laisser aller. Dis pas si, ne dis pas ça, merde, ça n'est pas très joli. Dis pas si, ne dis pas ça, je vais t'apprendre un peu. Fais pas si, ne fais pas ça, tirer les cheveux, c'est pas gentil. Fais pas si, ne fais pas ça, je vais t'apprendre un peu. On peut pas tout dire, on peut pas tout faire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire. Il y a des fois où on voudrait se laisser aller. Dis pas si, ne dis pas ça, péter, c'est pas un joli mot. Dis pas si, ne dis pas ça, tu vas finir au coin. Fais pas si, ne fais pas ça, péter, c'est pas beaucoup plus beau. Fais pas si, ne fais pas ça, tu vas finir au coin. On peut pas tout dire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire. Il y a des fois où on voudrait se laisser aller. Dis pas si, ne dis pas ça, c'est comme de cracher par terre. Dis pas si, ne dis pas ça, ça n'est pas très poli. Fais pas si, ne fais pas ça, ne nous montre pas ton derrière. Fais pas si, ne fais pas ça, ça n'est pas très poli. On peut pas tout dire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire. Il y a des fois où on voudrait se laisser aller. On peut pas tout dire. J'avoue que ça commence à me démanger. On peut pas tout dire. Il y a des fois où on voudrait se laisser aller. J'ai souvent rêvé d'avoir un grand orchestre, mais vraiment un très très grand orchestre. Pas cinq musiciens. Hein. Remarquez, ils sont bien. Hein. Hein, ils sont bien. Ils sont bien, mais ils sont cinq. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un grand orchestre. Je sais pas, moi, un orchestre de... Ils sont combien dans la salle, Fred? 2000, voilà. Un orchestre de 2000 musiciens, moi, ça me plairait pas mal, ça. Hein. Et ben voilà, justement, je vais vous demander à vous, public, de faire cet orchestre de 2000 musiciens. Et pour ça, j'aimerais que les papas fassent les contrebasses, les mamans les violons et les enfants les trompettes. Nous allons donc commencer par les papas. Fred, une note. Voilà, attention, les papas. Boum, 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 boum. Il y en a 8, c'est très très bien. Tous les papas. Attention. Boum, boum, boum. Bon, très bien. Les mamans. Zim, 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 zim. Les trompettes. Papa la papa, papa la papa. Très très bien, monsieur. Donc, les papas vont donc faire les contrebasses, les continuer, alors que les mamans vont venir s'installer avec les violons par-dessus les contrebasses et que les enfants vont venir s'installer avec les trompettes par-dessus les violons et les contrebasses. Les papas. Boum, 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 boum. Les mamans. Zim, 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 zim. Les enfants. Papa, papa.
d'une petite pause. Petite pause, petite pause. Donc voilà ce que je vous propose. Vous propose, vous propose. Vous chantez pendant que je me repose. Me repose, me repose. J'avais bien besoin d'une petite pause, petite pause, petite pause. Quand j'étais petit et que mon papa me demandait d'aller me coucher, évidemment, j'ai pas trop envie, mais j'y allais quand même, j'étais bien obligé. Alors je vais vous raconter un peu comment ça se passait. J'avais une petite chambre, un petit lit, un petit drap, une petite couverture, un gros duvet, c'était l'hiver, et un oreiller derrière la tête pour dormir, et il faisait complètement nuit. Et quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Et quand on voit plus rien, on ne voit plus rien du tout. Et quand il fait nuit, il fait nuit. Et quand il fait noir, il fait nuit. Donc il faisait nuit, mais quand il fait nuit, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Mais il y avait malgré tout une petite lune qui passait à travers les carreaux. Et si je me souviens bien, cette petite lune, elle était bleue. Donc il y avait une petite lune bleue qui passait à travers les carreaux. Quand tout à coup, j'ai entendu des drôles de bruits sous mon lit. Alors j'ai pas tellement osé me pencher pour voir ce qu'il y avait en dessous, parce que j'ai eu peur que ça m'attrape là. Et juste un moment plus tard, j'étais très inquiet parce que j'ai aussi entendu des drôles de bruits au plafond. Et d'abord, j'ai vraiment cru que c'était un fantôme. Heureusement, quelques jours plus tard, j'ai appris que les fantômes, ça n'existe pas. Exactement. Les fantômes, ça n'existe pas. Eh bien, ça existe quand même. Mais ça existe dans les histoires, et ça existe dans les chansons, et dans ma chanson à moi, mon fantôme à moi, il faisait comme ça. Ça fait où? Ça fait grrr, sous le toit, dans la maison. Ça fait oui? Ça fait toc toc, il y a des bruits dans le plafond. Et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, mais qui c'est dit? Et si c'est pas toi, c'est sûrement le vent. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fantômes. Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fantômes. Ça fait où? Ça fait grrr, sous le toit, dans la maison. Ça fait oui? Ça fait toc. Y a des bruits dans le plafond. Et si c'est pas toi, qui c'est dit? Et si c'est pas toi, c'est sûrement le vent. Ou bien les jouets qui font la java, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qui paraît, ça n'existe pas, les fantômes. Ou bien les jouets qui font la java, mais sûrement pas un fantôme. D'après ce qui paraît, ça n'existe pas, les fantômes. Ça fait où? Ça fait grrr, sous le toit, dans la maison. Ça fait oui? Ça fait toc toc, il y a des bruits dans le plafond. Qu'est-ce que j'ai dit? Les fantômes, ça n'existe pas. Oh.
Monsieur Merlu. Monsieur Merlu. Monsieur Merlu. Des pentes. Faites peur à tout le monde, là. C'était pour aider. Ouais, c'est pour aider. C'était pas pour vous embêter. Ouais, Et vive Merlu. Ouais, ouais, la recommencez pas. C'est une machine. Ouais. C'est une machine. Ouais. Qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les bouts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec elle. Une porte-bichette qui fait balayette. Et puis le trois tentacules quand elle recule. Sans aucun trucage, elle fait un nuage de poussière et de fumée qui fait tousser. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les bouts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec elle. Quand elle démarre, c'est joli à voir. Elle fait des tout petits sauts très rigolos. Et quand elle s'arrête, en baissant la tête, ça fait toujours glou 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 par en dessous. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a les tuyaux partout, elle pète partout les bouts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec elle. Pour sa nourriture, de la confiture, quelques chips et du vieux pain qui coûte rien. Un peu de moutarde dans de la limonade. Et pour la fin du repas, glace au petit pois. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle m'aide à les finir, ah quel plaisir. Même la maîtresse voit que je progresse. Et quand elle m'applaudit, moi je lui dis. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les bouts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec. C'est une machine qui sort de l'usine. Partout les bouts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec. C'est une machine. Une mouchette entrée dans ma chambre à coucher. Mais que fait-elle ici, au-dessus de mon lit? Une mouchette entrée sans rien me demander. Moi je dis que c'est très impoli. Bzz, bzz, vole comme une folle. Bzz, bzz, drôle de bestiole. Elle m'a attaqué. Attention, elle vous attaque aussi. Baissez la tête. Baissez la tête. C'est bon, vous pouvez vous redresser. Elle est partie. Attention, elle revient. Elle revient. Baissez la tête. Ça va? Pas de bobo? Bon.
Elle va sûrement revenir, mais je réserve une surprise. On va pas se laisser faire par une mouche, hein. Bon, à mon commandement. En position. Présenté. Arme. Je vais montrer comment je m'appelle, moi, cette mouche. Attention, la voilà. Attention. Feu à volonté. Très bien. Rechargé. Ne ratez pas cette fois, s'il vous plaît. Attention. Feu à volonté. Elle est coriace, la vache. Qu'est-ce qu'on fait? Nous rendre? Jamais. Oh, mais attends, elle se moque de moi, elle. Tu vas voir. Attends, ça va être ta fête. Encore une. Encore une. Bon, toi, ça va, hein? Et puis ça te fait rire, en plus, hein? Bon. Elle aime pas ça, hein? Ah, elle aime pas ça du tout, hein? T'arrêtes de m'embêter? Promis? Bon. On la laisse aller? Ouais, on la laisse aller. Non, on la laisse aller. Allez, allez, va. Tu pars pas? Pourquoi? Quoi? Tu veux t'asseoir au premier rang pour voir le spectacle? Tu vois bien qu'il n'y a plus de place. Tu veux t'asseoir sur quelqu'un? Non, ben dis donc, je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, on va aller chercher quelqu'un. C'est pas ça. Bon, allons-y. Alors, voyons. Sur la petite demoiselle qui est là, par exemple? Non. Sur madame qui est ici? Non plus, madame. Sur le monsieur qui est là? La mouche vous a choisi, monsieur. Bon, alors je te pose où, là? Sur sa tête. Bon, attention. Non, mais mets pas ta main, s'il te plaît, parce que... Ah oui, je vais lui mettre la mouche sur la tête. Bah oui, elle l'a choisi. Hein. Tu veux pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis bien obligé de continuer, hein. Oui. Alors, tu t'inquiètes pas, elle va pas lui faire de mal. Elle va juste pour regarder le spectacle, hein. Alors, voilà. Vous passez pas la main dans les cheveux, monsieur, pour qu'elle voie le spectacle correctement, hein. Ça va, comme ça? Tu veux me faire un bisou? Non, pas vous, monsieur, la mouche. Vas-y. Oh, c'est dégoûtant. Hein. Ah. Une mouchette entrée dans ma chambre à coucher. Une mouchette entrée sans rien me demander. Puis la mouche est sortie et c'est très impoli. Puis la mouche est sortie, ni bonjour, ni merci. Si la mouche bouge, intervention de Merlu immédiate. J'aimerais vous chanter maintenant une toute nouvelle chanson et j'espère qu'elle vous plaira. En fait, de toutes les chansons que j'ai écrites, c'est probablement la plus difficile. Excusez-moi, je suis un petit peu le trac, je sais que vous êtes impatient d'écouter cette nouvelle chanson. Mais disons, pour lui donner toutes ses chances, sachez que c'est l'histoire d'une petite fille qui adore faire les gâteaux. Et cette petite fille... Vous la connaissez? Ah bon. Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte. Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte. Alors moi je vais dire pom 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 parce que je vais faire la petite Charlotte. Vous allez répondre qui est là parce que vous allez faire la copine qui est pas sympa. Et moi je vais dire c'est la petite Charlotte parce que je suis la petite... Ça se voit. Pom pom pom, c'est la petite Charlotte. Pom pom pom, c'est la petite Charlotte, j'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. Et alors la copine qui est pas sympa. Et alors la copine qui est pas sympa lui répond, j'en ai pas, des brutes comme ça. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau, j'en ai pas.
Et pam pam pam. Yeah. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est au bon endroit, c'est le bon mot. Mais vous avez oublié une chose très importante, c'est que vous tous dans la chanson, vous jouez un rôle. Vous jouez le rôle de la copine qui est pas sympa. Alors si moi je vous dis pam 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 et que vous me répondez qui est là, vous êtes trop gentil, j'attends de vous. Vous soyez vraiment une copine pas sympa. Si je dis pam 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 qui est là, comme ça. Pam pam pam. Voilà. Attention. Pam pam pam. Oh. Attention. Pam pam pam. Qu'est-ce qui se passe? Henri, tu m'entends? Ouais, Henri. Ouais, ouais. Bon, écoute, on a un gros problème. Quel problème? Bah, ils ont crié tellement fort qu'ils ont cassé toutes les lumières. Bon, c'est pas possible, ça. C'est comme je te le dis, hein. Bah, écoutez, excusez-moi, mais vous avez un petit peu exagéré. Bon, alors, de toute façon, il faut faire quelque chose, hein. Oui, mais Henri. Oui, oui. Henri, oui. On peut pas continuer le spectacle, on n'a plus de lumière. Mais c'est pas vrai, ça, franchement. Désolé, Henri, on est forcé d'arrêter. Arrêtez? Jamais! Merlu est là 24 heures sur 24. Allez-y, monsieur Ness, je vous éclaire. On est sauvé, voilà, Merlu. Bon, on le fait comme ça? Bon, il n'y a pas d'autre solution. Allons-y, bien. J'aurais besoin d'un fourneau pour cuire mon gâteau. J'aurais besoin d'un fourneau pour cuire mon gâteau. Et pom pom pom, c'est la petite Charlotte. Pom pom pom, c'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un plateau pour mettre mon gâteau. J'aurais besoin d'un plateau pour mettre mon gâteau. Et pom pom pom, c'est la petite Charlotte. Pom pom pom. Charlotte, j'ai terminé mon gâteau, je crois qu'il est beau. Attends-moi, et garde-en-moi. J'ai terminé mon gâteau, je crois qu'il est beau. Attends-moi, et garde-en-moi. Et pom pom pom, c'est la petite Charlotte. Pom pom pom, c'est la petite Charlotte. Qu'as-tu fait pour mon gâteau tout chaud? Eh ben rien ma foi, rien ma foi. Eh ben t'en auras pas. Qu'as-tu fait pour mon gâteau tout chaud? Y'a ma foi, y'a ma foi, et ben t'en auras pas. Salut les gars, et voilà le piano qui nous a accompagnés. Salut les filles, salut, salut les gars, ça c'est un piano qui a su nous enchanter. Frédéric Thibault. Salut les filles, salut, salut les gars, là la guitare passe son petit ventre plat. Salut les filles, salut, salut les gars, c'est la guitare passe qui va tout en bas. Fredo Westrich. Salut les filles, salut, salut les gars, voilà la batterie, et si tu veux mon avis. Salut les filles, salut, salut les gars, c'est la batterie qui a fait le plus de bruit. Salut les filles, salut,
salut les gars, voilà la guitare, celle qui monte à l'assaut. Salut les filles, salut, salut les gars, ça c'est la guitare qui bat tout en haut. Laurent de Casperi. Salut les filles, salut, salut les gars, là l'accordéon qui n'est jamais essoufflé. Salut les filles, salut, salut les gars, c'est l'accordéon qui a su déménager. Christophe Delporte. Et puis, à la technique, à la sonorisation, Tiburce et Nathalie. Aux éclairages, Xavier Louis et Raymond. Enrique à la régie générale. À la création des éclairages, Rock Ségovien. À la mise en scène, Yves Carlebaris. Et puis, dans le rôle de notre voisin, finalement assez sympathique, Merlu, Tiber. Et dans le rôle de la mouche, la mouche. Et attention, aux contrebasses, les papas. Au violon, les mamans. Aux trompettes, les enfants. Et puis moi. Moi qui ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui en votre compagnie. Oh.
rentrer, il y a du danger. Qu'est-ce qu'on chante ? Hein ? Qu'est-ce qu'on chante ? J'ai rien compris. Bon, écoutez, je vais vous faire un petit mélange, puis comme ça j'espère que vous allez trouver votre chanson à l'intérieur de mon petit mélange. On y va. J'ai perdu mon béret, bizarre, bizarre. J'ai perdu mon béret, bizarrement. Je l'ai vu s'envoler, je l'ai vu s'envoler, bizarrement. Avec mes deux souliers, avec mes deux souliers, bizarrement. Sur un cochon doré, sur un cochon doré, bizarrement. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Mais je l'aime quand même, je l'aime. J'ai un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout. J'ai un chien qui a des poils mouillés partout. Et c'est pas tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Il s'en met plein le menton, comme un cochon. Mais je l'aime, quand même, je l'aime. Mais je l'aime, quand même, je l'aime. Moi j'aime bien ma petite sœur, quand elle pleure, quand elle pleure. Moi j'aime bien ma petite sœur, quand elle pleure. J'embête mon grand frère par derrière, par derrière. Moi j'embête mon grand frère par derrière. Je te donne un coup par là si tu me fais mal au bras. Je te ferai voir du pays si tu me donnes un coup par-ci. Moi j'aime bien ma petite sœur. Moi j'aime bien ma petite sœur. Moi j'embête mon grand frère. Moi j'embête mon grand frère par derrière. Et quand on est rappelé, on s'arrête un peu par-ci, de ton côté jusqu'à toi. On recommence par là, et en deux, trois.
C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé, y'a un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah si j'étais Superman, Superman, je lui balancerai mon nounours dans les jambes et mon oreiller sur la tête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. Je la pousserai dans l'escalier, ça serait sa fête. On ne verra jamais mémé, on ne verra jamais. On verra jamais mémé, on verra jamais. Un gentil tétard avec sa guitare. Chante des chansons, aux poissons. Et on ne verra jamais, mais on ne verra jamais. 20 000 fourmis, prendre le taxi, pour faire un petit tour, dans la cour. Et on ne verra jamais. Sous la table, les sagouins, tous au coin. Ça n'est pas la faute à Dédé, c'est ma faute à moi. Si j'ai regardé la télé, ça n'est pas la faute à Bernard. Si je me suis couché si tard, c'est ma faute à moi. Et les copains, sous la table, les sagouins, tous au coin. Ça n'est pas la faute à Bruno. Si j'en ai que des zéros. Ça n'est pas la faute à Christophe. Si je vais à la catastrophe. Les coupables sous la table. Les sagouins tous au coin. Les sagouins tous au coin. Et quand il fait nuit, et le mercredi, et quand papa dort.
et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. J'ai reçu, J'ai reçu un beau tambour. Et je joue plan-plan, et je joue plan-plan, et je joue quand il fait jour. Et quand il fait nuit. Et le mercredi. Et quand papa dort encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. Cet après-midi spécial dédicace pour la ville de Paris. J'ai reçu un beau tambour. Aujourd'hui on a mis le feu à l'Olympia de Paris. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que j'ai reçu un beau tambour. Tous vous revoir bientôt. Au revoir.